Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Cette soirée, c'est un peu l'ouverture du cycle des imaginaires possibles, inventé, imaginé en collaboration entre le Théâtre de Vidy-Lausanne et l'Université de Lausanne. Et c'est la troisième édition, en fait, de ce cycle. Et ce cycle sera mené pendant toute l'année avec différents rendez-vous à partir du mois de février. Les samedis, rencontres avec le public, samedi de février, mars, avril, mai et la restitution en juin. Je vous donnerai les dates tout à l'heure, plus précisément à la fin de notre rencontre. Et ce cycle est une collaboration avec Faustin Ligne-Coulac que nous avons la chance d'avoir avec nous, qui nous a ouvert en quelque sorte ce cycle avec cette performance, la danse. Et avec Felwine Sarr qui va nous accompagner, qui va être un peu notre compagnon de route et qui ce soir va échanger avec nous autour des questions qu'on va se poser dans ce cycle des imaginaires possibles avec sept artistes et sept jeunes chercheurs de l'université, de différentes disciplines, de la biologie et aux sciences de l'environnement. Et on va essayer, comme on l'a fait ce soir, un peu de décloisonner nos manières de penser, de choisir, comme pour les deux éditions précédentes, c'était Dominique Bourg et Vinciane Després qui nous ont accompagnés, donc des chercheurs, des philosophes, des scientifiques, des universitaires. Et cette fois-ci, c'est un artiste qui va être notre compagnon de route. Et cette question-là nous oblige aussi à réinventer nos savoirs et à nous poser des questions différentes, les aborder autrement, et à remettre en route nos imaginaires pour penser cet avenir qui vient, pour inventer, semer des graines, essayer avec vous, avec la communauté justement, de faire cercle. Et ce sera un peu notre objectif pendant toutes ces rencontres, à chaque fois de retrouver le public aussi pour partager une expérience avant tout, une expérience sensible, une expérience de pensée, et échanger ensemble nos différentes manières d'appréhender le monde, l'environnement, les éléments, avec ce regard croisé de l'Afrique, et plus particulièrement de Kisangani, le lieu d'où vient Faustin. Et cet échange sera toujours de pouvoir, grâce à l'autre, se regarder avec ces regards croisés. Échanger, se regarder, trouver de l'inspiration dans les autres, comme le propose Felwine Sarr avec son livre Afrotopia notamment. Donc, en quelques mots, j'ai oublié de me présenter, Claire de Ribeaupierre, je suis dramaturge, artiste, je collabore avec Massimo Furlan, on fait des projets scéniques, des projets de performance. Et puis, je suis aussi enseignante à la manufacture notamment. Et Faustin, qui est avec nous, je vais te laisser te présenter. Voilà, je suis connu comme danseur, chorégraphe, mais j'aime dire que je suis un raconteur d'histoires. Et il y a 20 ans, j'ai compris que les histoires qui me mettaient en mouvement, ce n'étaient pas des histoires d'exil. Et donc, je suis retourné vivre au Congo, à Kisangani, au nord-est de la RDC. Et c'est à partir de là que je vais venir à Vidy, rencontrer Claire, rencontrer ce groupe de chercheuses, parce que j'ai compris qu'il n'y avait que des femmes, ce groupe d'artistes ici. Et ensemble, on va essayer d'imaginer un futur possible, en tout cas la possibilité d'un futur, dans un monde de plus en plus précaire. Peut-être que ici, vous êtes en train de découvrir ça, la fragilité, la précarité. C'est fascinant pour moi de réserver un train en Suisse et 3 mois à l'avance de savoir déjà que ce train partira à 12h13 de la voie 18. Je dis, incroyable. Même en France, qui est le pays d'Europe que je connais le mieux, c'est 20 minutes avant que je sais ça. Mais en Suisse, c'est 3 mois déjà, je sais qu'il partira de la voie 18. Mais à Kisangani, on ne sait même pas s'il y aura un train. Alors comment, à partir de cet endroit-là, de l'incertitude,
rêver quand même d'un futur, parce que nous rêvons d'un futur à partir de cet endroit-là. Comment ramener ça ici? Comment ramener aussi le fait que... Voilà, moi, on m'a appris qu'aucun système de pensée n'est complet tant qu'il ne passe par le corps. Aucun système de connaissance, je veux dire, n'est complet tant qu'il ne passe par le corps. Et comment jeter mon corps, finalement, dans l'arène? C'est une manière de penser. C'est un peu des pistes qu'on va ouvrir, des pistes de réflexion, avec des allers-retours entre Kisangani et Lausanne. Et concrètement, il y aura au moins un épisode de ce cheminement qui va se passer aussi à Kisangani, en lien avec l'université de Kisangani. Parce que, voilà, on dirait que où que j'aille, je recherche le Congo, alors il fallait bien qu'il y ait un moyen de ramener un peu de Congo ou de ramener un peu de Lausanne au Congo en étant ici. Et c'est un grand honneur que de commencer ce voyage avec Felwin ce soir, dont la pensée me nourrit, et voilà, un autre rêveur de futur. Oui, exactement. C'est Felwin qui met des mots sur cette recherche, sur cette quête. Il va nous accompagner parce qu'on va traverser ces concepts du temps, hein, du temps linéaire et du temps cyclique. Cette responsabilité qu'on a à penser demain, pourquoi est-ce qu'on a abandonné ici en Occident la pensée et le rêve de demain, on peut dire, que quelque part, après la catastrophe, devant est la catastrophe, on a de la peine à penser après. On a renoncé, on a l'impression d'avoir renoncé. Donc Felwin, à travers Afrotopia notamment, nous rappelle la nécessité, hein, et l'urgence et l'intensité de cette pensée de l'avenir. Felwin, peut-être je te laisse aussi te présenter, dire quelques mots et... Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'être là, vraiment. Et, je m'appelle Felwin Sarr, je suis un universitaire et écrivain sénégalais. Je dirais que je construis une expérience à la croisée des humanités, des sciences sociales et humaines, de la littérature, des arts, de la musique. Et je pense que ce qui me vaut l'invitation ici, c'est Afrotopia. C'est la réflexion sur les imaginaires, sur le futur, sur les horizons à ouvrir dans les espaces du politique, du culturel, du spirituel, de l'écologique. Et voilà. Donc, depuis quelques années, je m'emploie à enseigner et à écrire et à réfléchir. Et ces dernières années, donc, cette question de comment est-ce qu'on réinvente ou on invente des futurs, elle m'a énormément occupé. Et je suis très heureux de partager cette conversation avec Rémo Faustin, que je cherche avec une lampe torche depuis de longues années, et toi, Claire. Donc finalement, c'est à Vidi que je le trouve, quoi. Après l'avoir cherché au Congo, à Dakar et partout. Donc merci, Vincent, de nous avoir invités à converser, quoi, avec vous, quoi. Est-ce qu'on repartirait sur cette image du cercle, peut-être, Felwin, aussi, ou... Faustin a créé le cercle. Qu'est-ce qu'on fait avec un cercle? Qu'est-ce qu'on fait avec une ligne? Comment est-ce que peut-être tu peux nous rappeler aussi ces deux conceptions différentes du temps et puis notre visée occidentale et une autre vision cyclique qui serait celle de la nature, en fait, d'un temps qui fait cercle. Ce que j'ai entendu dans ce que Faustin disait tout à l'heure, c'est une sorte de désir de réapprendre un être ensemble à partir d'une scission qu'il a figurée dans la métaphore de la scène, donc du théâtre à l'italienne, et un désir de reconnexion et un désir de lien. Et il me semble que cette question de la reliaison est l'une des questions qui nous occupe sur la surface de la planète, quoi. Donc, comment est-ce qu'on nous relie à nouveau en tant qu'humain, mais en tant que vivant, en tant que société, etc., etc., avec un espace dans lequel les forces de déliaison sont importantes et énormes. Et donc, du coup, cette question de l'être ensemble, du lien, du cercle, c'est aussi la question du devenir, quoi.
Donc, qui sommes-nous en tant qu'entité? Quelle est la limite? Quel type de communauté formons-nous? Comment est-ce qu'on définit la communauté ou les communautés? Et quelle est l'aventure que nous nous proposons d'articuler ensemble? Donc, du coup, donc, la question du temps et du devenir sont là. Et la question du mouvement est là aussi. Et quand on vient comme moi et lui d'un pays où les trains n'arrivent pas à l'heure, où effectivement l'histoire fondamentalement est toujours contingente, puisqu'elle l'est, même si quelque part ça nous rassure d'appréhender le réel à venir. Donc toute la question de la projection, de la prospective, de l'anticipation, c'est un désir que nous avons de maîtriser le présent, mais de maîtriser le réel à venir et de le configurer. Le configurant, ça nous permet de naviguer à l'intérieur d'un espace que nous avons configuré. Et quelque part, ça répond à une angoisse existentielle que nous avons, quoi. Et nous insérons dans cet espace-là une psychologie de l'établi. C'est-à-dire que nous savons où nous allons, nous savons le train, il sera... On était dans le train tout à l'heure et il y avait 9 minutes de retard. Et on a eu une annonce pour nous expliquer qu'il y a 9 minutes de retard, pour s'excuser, pour nous dire que c'est des passagers qui ont bloqué la porte, c'est à cause d'eux. Donc il y avait une petite perturbation dans ce qui était prévu. Il y a eu tout un effort informationnel pour nous dire, attention, le monde que nous avons conçu n'a pas été tel que nous l'avons conçu, mais enfin, voici pourquoi il n'a pas été tel que nous l'avons configuré. Mais en même temps, nous avons besoin d'appréhender les futurs. Nous avons besoin d'inscrire notre démarche dans une vision, dans un désir d'être. Et nous avons besoin aussi, quand le réel que nous vivons ne nous satisfait pas, au moins au début, par la pensée et l'imaginaire, d'envisager des futurs désirables et souhaitables. Je veux dire, et ce qui fait que nous sommes des humains, c'est que nous ne sommes pas dans un pur présent. Et donc nous avons besoin d'articuler des temporalités et de leur donner sens. Donc d'où la question de la ligne ou du cercle. Généralement, les temporalités, nous les avons, en tout cas dans le temps, dans l'épistémologie occidentale, nous les avons articulées, en tout cas depuis la fin du Moyen-Âge, dans un temps linéaire d'abord. Je veux dire, dans les antiquités, le temps était cyclique. Les saisons revenaient, le soleil revenait, on fêtait le retour du soleil. Donc il y avait une marche ininterrompue avec des moments qui ponctuaient les cycles. Et donc il y avait cette idée du retour des choses. Et quelque part dans le retour, dans le temps cyclique, nous n'avions pas la même notion du progrès, puisque le temps n'était pas orienté vers plus de quelque chose. Donc, et à partir de la fin du Moyen-Âge, le temps était, je veux dire, le temps orienté, l'articulation des temporalités dans une suite consécutive, le passé, le présent qui lui succède, l'avenir qui va venir, mais qui s'inscrit dans une flèche orientée devant, a pris le pas sur les autres représentations du temps. D'ailleurs, dans les villes, les horloges sont apparues. Pourquoi les horloges sont apparues? C'est pour synchroniser les différents temps. Le temps rural, le temps agraire n'est pas le même que le temps de la ville. Et donc, y compris dans un pays, il y avait différentes temporalités, différents rapports au temps. Mais pour que l'industrie fonctionne, il faut que si on a rendez-vous avec le banquier, qu'on arrive à la même heure. Donc il fallait resynchroniser les temps et les mettre, justement, dans le temps de la production. Donc du coup, on a changé de rapport au temps. Et ce temps-là était orienté vers l'idée du plus, de l'amélioration. Et ce qu'on a fait, c'est que des récits eschatologiques bibliques qui faisaient que l'aventure humaine avait une finalité, le royaume des hommes, mais la fin de l'histoire, c'était la cité de Dieu chez saint Augustin, et qu'on pouvait faire un récit, et qu'on pouvait dire, ce récit-là, il nous amène vers le salut. On l'a ramené dans le temps profane. Donc les sociétés elles-mêmes avaient une marche vers quelque chose qui allait amener un mieux-être, un progrès. Et le salut dans le temps profane était l'analogie de ce salut dans un temps eschatologique. Et jusqu'à la fin du christianisme, il y avait des individus, même les premiers chrétiens, ils estimaient que le monde allait finir et que Jésus reviendrait, qu'il y aurait la venue de l'Antéchrist. Et beaucoup de pères ont fui dans le désert pour
entrer en désaffection vis-à-vis d'un monde qui allait finir. Donc pourquoi aimer un monde qui allait finir? Donc tout un tas de sectes millénaristes étaient dans cette idée que l'aventure humaine allait finir un jour, que le temps n'était pas orienté vers un mieux-être. Donc du coup, cette question de la pluralité des temporalités, de la linéarité ou non du temps, du sens de l'aventure humaine, mais surtout de quel est cet indéfinissable qui est devant nous et comment l'appréhendons-nous, c'est l'un des moteurs de notre aventure sociétale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aventure sociétale si on est juste installé dans un temps présent. Et dans une époque, et je m'arrêterai là-dessus, dans une époque de crise, dans une époque dont le futur est de moins en moins un futur avec des promesses, parce qu'on a eu quand même le XXe siècle, un futur qui nous promettait le progrès, et nous sommes dans un temps où les futurs nous promettent des catastrophes, et tout notre travail, c'est comment éviter des catastrophes qui nous sont promises dans le futur, catastrophes écologiques, tout un tas de... Et donc, du coup, ce temps-là est devenu non seulement... Bon, c'est un temps orienté, mais c'est un temps dont les futurs sont sans promesses. Et la question pour nous, c'est comment on réinvestit ce temps à venir, peut-être pas le futur, d'un projet de faire cercle, d'un projet sociétal, global, qui fasse sens pour nous et qui nous installe dans une dimension souhaitable de l'aventure humaine ou de l'aventure du vivant. Et ça, c'est un travail, bien évidemment dans l'espace de l'imaginaire et de la pensée, mais c'est une attitude de l'esprit qui a pour but de produire des effets dans le réel. Ce n'est pas juste une conception qui tourne sur elle-même. Et la question pour nous, c'est en fonction des effets que nous avons envie de produire dans le temps historique, comment nous entreprenons ce travail de réinvention de futur et de réouverture des horizons. Et en t'écoutant, il y a, pour moi, il y a la notion de responsabilité que j'entends. Et ça me fait penser à un mot qui est très important pour moi dans la langue lingala. C'est l'une des langues principales du Congo ou de l'Afrique centrale, parce qu'elle est aussi parlée dans d'autres pays en Afrique centrale. Et en lingala, on a un mot qui me fascine depuis quelques années, c'est lobi, L-O-B-I. Parce que lobi veut dire hier, mais lobi veut aussi dire demain. Et je trouve ça fascinant que les anciens, pour parler de ces deux réalités du temps, ils aient inventé un seul mot. Et ainsi, en un seul geste, ils réunissent le passé et le futur. Et si moi je suis présent aujourd'hui, ici et maintenant, mais vraiment présent, parce que quand, Philippine, tu parles de reconnexion, pour moi, avant même de pouvoir me connecter à toi ou à tous les autres qui sont là, c'est déjà apprendre à me reconnecter à moi-même. Parce que qu'est-ce que je sais de là où j'en suis, vraiment? Qu'est-ce que je connais de mon corps? Comment ce corps, chaque jour, m'apprend des choses? Et si ma danse était juste une manière de me rappeler qui je suis, d'essayer de me reconnecter à cet espace que peut-être la vie de tous les jours rend trop hazy. C'est fou que ce soit un mot anglais qui vient. Trouble, ouais, comme dans le brouillard. Et donc commencer par déjà apprendre à me connecter à moi-même, me connecter au fait que je suis présent ici parce qu'il y a eu d'autres qui ont été présents avant moi, et du coup ça m'oblige à penser à ceux qui viendront après moi, et rentrer dans ce lobby, ce temps qui circule avec en permanence cette responsabilité que je suis là. Je ne suis pas forcément responsable de mes ancêtres, mais quoi que j'ai reçu d'eux, que j'en sois fier ou que ça me fasse honte,
je suis responsable de ça. Et qu'est-ce que j'en fais, comment je transmets ça? Oui, je pense que c'est très beau cette conception du temps, donc en trois, de la tripartition de notre histoire occidentale, de cette séparation en fait entre le passé, le présent et le futur, et ici, comme tu le montres, ce lien qui existe, qui ne peut, enfin, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un lien vers le passé pour pouvoir projeter aussi un demain. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, justement, dans notre conception du temps, comme tu le montres, on a l'impression qu'on est quand même coupé du passé, en fait, cette question de l'histoire et de la responsabilité qu'on a par rapport à l'histoire de notre communauté, mais à notre histoire individuelle aussi, empêche peut-être aussi, justement, de pouvoir se projeter et de considérer le temps qui vient comme un temps dans lequel on peut rêver et imaginer quelque chose. Et j'ai trouvé très beau dans ton ouvrage, Felvin, parce que le mot d'imagination, ici on parle des imaginaires, ça revient constamment. Et c'est quand même un terme qu'on a souvent un peu écarté, comme si l'imagination c'était le territoire des enfants, en quelque sorte. Mais qu'en tant que société, en tant que engagé dans des tâches, celles de l'économie ou de la politique, les imaginations n'avaient pas vraiment de place, en fait. Il y a une dimension hyper concrète, terre à terre, des tâches à accomplir, des horaires à tenir, comme tu dis, de ces projections qu'on fait constamment sur le futur, mais qui sont extrêmement techniques. Hein, qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir techniquement continuer à vivre, pour pouvoir organiser nos sociétés. Mais on oublie, comme tu le dis aussi dans Afrotopia, on oublie pour quelles raisons on vit, en fait. On sait comment vivre, la santé, l'économie, le politique, mais on ne sait plus très bien pourquoi ou vers quoi on tend à vivre. Je ne sais pas si tu peux nous développer un peu cette question-là, de cette nécessité de ces deux, d'avoir de l'imagination et d'avoir cette responsabilité de créer des possibles. En fait, généralement, lorsqu'on pense la société, on pense son infrastructure, on pense sa superstructure, on pense les cadres de vie que nous déployons avec des ordres techniques. L'urbanisme, l'architecture, l'économie, comment organiser les conditions de la vie, d'abord la vie biologique et organique, et ensuite toute la vie sociale, donc des conditions qui sont nécessaires. Mais généralement, on oublie que, bien évidemment, c'est important, mais ces conditions de vie, elles ont pour but la vie elle-même. Donc elles ont pour but d'organiser la possibilité d'une vie qui ne serait pas réduite à sa fonction organique ou biologique, ou à sa fonction juste de reproduction des possibilités organiques de la vie, donc la question du sens, la question de en vue de quoi et pourquoi nous vivons. Et donc il y a toujours un partage des ordres. Les ordres qui vont mettre du sens dans l'expérience de vie, et les ordres qui vont organiser les conditions de vie. Et nous sommes à la croisée. Des fois, les conditions de vie peuvent être superbes et nous trouvions que la vie, elle est ailleurs, que le sens que nous recherchons, que la vitalité, que le feu, que ce qui nous nourrit n'est pas simplement là. Et il arrive que dans des lieux où les conditions ne sont pas idéales, nous ressentions ce feu et ce désir de vie et cette plénitude de vie. Donc c'est fondamentalement la question de pourquoi nous vivons qui est au cœur, et le reste devrait s'organiser en fonction de pourquoi nous vivons. Il y a un penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle Cornelius Castoriadis. Il dit que les sociétés s'instituent dans leur imaginaire. On pense généralement qu'elles s'instituent dans les ordres techniques. Il dit oui, elles organisent, mais fondamentalement la société, elle s'invente, elle se produit, elle se pense dans l'espace de l'imaginaire. C'est dans l'espace de l'imaginaire qu'on pense la société et qu'on la produit, et que donc c'est absolument fondamental de produire les sociétés dans ce lieu-là. De toute manière, elles ne peuvent pas s'inventer ailleurs. Je veux dire, y compris les ordres dont les traductions sont techniques. Si un architecte vous fait les plans de votre demeure, je suppose qu'il a discuté avec vous sur la manière
que vous avez envie de vivre, je dirais, pour produire, pour vous faire, pour vous dessiner, y compris, je veux dire, en principe, les villes devraient être produites par les relations et de vivre ensemble que nous mettons, que nous articulons, devraient en principe générer la manière dont on organise les lieux de vie. Donc, fondamentalement, puisqu'on est dans une civilisation fortement matérielle et qui a besoin de la concrétude du réel pour le toucher dans sa matérialité et dans sa texture, tout ce qui relève de l'immatériel et qui pourtant est fondamental et sans quoi il n'y aurait pas de vie, et il n'y aurait pas de vie sociale, a tendance petit à petit dans l'ordre de nos représentations à prendre moins d'importance ou à s'estomper ou à nous donner le sentiment qu'en fait c'est pas très très important. Et donc, s'il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'aventure sociale. Et l'imaginaire n'est pas juste quelque chose qui est dans l'irréel. Ce qui meut les communautés humaines, ce qui meut les humains, vient de l'imaginaire. L'imaginaire a une production effective dans le réel. Quand des gens se lèvent et qu'ils vont à la conquête de je ne sais quoi, et qu'ils engagent leur vie, c'est une production de l'imaginaire. Et les récits que nous nous faisons, les productions imaginaires que nous nous faisons, ont des traductions dans la vie concrète. Et la plupart de nos aventures, si on les décortique, si on va chercher les racines de ces aventures, c'est ce qui nous a mus, ce qui a fait que nous nous sommes mis en mouvement pour aller faire quelque chose, bah, ça relève de l'ordre de l'imaginaire. Et ça relève tout le temps de l'ordre de l'imaginaire. Le politique relève de l'ordre de l'imaginaire. Le religieux, le spirituel relève de l'ordre de l'imaginaire. Le culturel relève de l'ordre de l'imaginaire. Donc c'est une donnée fondamentale et centrale. Et d'ailleurs, des conflits, beaucoup de conflits sont des conflits d'imaginaire, si on les regarde profondément. Je veux dire, la conflictualité, elle naît de là aussi, quoi. Elle naît d'imaginaires qui s'affrontent et qui se traduisent, je dirais, en une conflictualité réelle. Je ne sais plus si c'est en 68 où il y avait des slogans en disant qu'il faut remettre l'imagination et l'imaginaire au pouvoir, mais fondamentalement, il n'a jamais quitté le pouvoir. Sauf qu'on a l'impression justement que dans un monde très technique, très matériel, l'imagination devient en fait le lieu du matériel. Et tu disais dans le livre justement qu'en fait le progrès c'est un imaginaire, hein, c'est un mythe. On a l'impression que c'est une réalité. Donc il y a cette confusion entre l'imaginaire et la réalité. Et finalement, on a l'impression qu'on est toujours dans la réalité alors que c'est de l'imaginaire. Et dès le moment où on prend conscience, comme tu le dis, que c'est toujours des imaginaires, il y a la possibilité de les changer. Si on pense que c'est des réalités, on ne sait pas comment agir, alors que quand on comprend que cette dimension, elle est une projection, et que cette projection produit des effets sur le réel, à ce moment-là, on en est responsable, et à ce moment-là, en effet, on a ça donne un sentiment de puissance aussi, je trouve, de puissance à la fois individuelle et collective pour... La question que j'ai envie de poser là, c'est comment produire ce mouvement des imaginaires quand on vit avec cette conscience de sa fragilité extrême dans le quotidien. Quand la mort, par exemple, est tellement proche de son quotidien qu'on ne sait plus la distinguer de la vie. Comment produire de l'imaginaire à partir de cet endroit-là ? Comme le Congo, où tu as voyagé, et où très vite tu te rends compte de la présence de la mort dans la vie quotidienne. Je pense qu'il y a plusieurs... en tout cas, en tant qu'humain, on est pris, en tout cas, il y a des données qui nous sont fondamentales. C'est le désir de persister dans son être. Il y a quelque chose qui relève de l'élan vital. On est dans une barque, on ne se connaît pas, on voyage, on est sur le fleuve Congo, on va dire. Et il y a des vents qui se lèvent et la barque va chavirer. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que de manière instinctive, tout le monde va se mettre ensemble pour essayer d'empêcher le chavirement de la barque. Celui qui était perdu dans la lecture de son livre et indifférent aux autres va au même titre
que le capitaine va se mettre à la recherche d'une solution. C'est-à-dire que l'idée de persister dans la vie, dans notre être, c'est quelque chose qui nous fonde. Et c'est heureusement que ça nous fonde, que le désir de vie, l'instinct de vie, domine la pulsion de mort. Et cette pulsion, elle est toujours là. Mais si nous sommes encore là, en dépit de tous nos conflits, nos maux, nos chocs, c'est que finalement, le désir de vie a dominé la pulsion de mort. Donc, mais dans le désir de vie, il y a le désir de durer. Et si vous faites des enquêtes, y compris chez des gens qui mènent une vie normale, et que vous leur demandez de se projeter, ils ont un imaginaire du futur. Même s'ils le traduisent dans un désir pour leurs enfants, etc. etc. Même s'ils considèrent qu'ils ne seront pas eux-mêmes les architectes de cet imaginaire-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous constitue, le désir de durer en dépit de tout. Alors, le sentiment de fragilité est inégalement distribué. Il y a des lieux où on a construit le confort et la sécurité, et où on peut, beaucoup plus tranquillement, n'occupant plus l'esprit à la survie au présent, il peut y avoir un espace pour envisager ce qui n'est pas encore là. Mais il n'est même pas dit que lorsque nous avons résolu la tension de la survie du présent, que nous occupons l'espace qui reste à nous projeter. On peut l'occuper à de la consommation puérile, on peut l'occuper à du divertissement futile, on peut le remplir par beaucoup de choses. Mais en tout cas, cette inégalité dans la distribution du rapport au confort, au sentiment de sécurité, bien évidemment, fait varier les préoccupations des uns et des autres. Mais si nous le pensons en tant que communauté humaine globale, au-delà des frontières, même dans les temps, il y a eu des temps plus apaisés, où on a eu des penseurs et des poètes qui ont profité, des gens comme Rilke, qui ont profité entre deux guerres, d'un temps long de paix, qui leur a permis de ne pas s'occuper du réel, et de s'occuper de ce qu'il y avait à venir, et d'avoir une production de l'imaginaire qui nous a été utile, parce qu'il a bénéficié d'un temps relativement calme, dans lequel il a pu calmement envisager le non encore advenu, et nous laisser comme héritage du non encore advenu pour nourrir nos rêves d'imaginaire, même si nous sommes dans l'urgence. Donc, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une pluralité de possibilités d'engager un effort de pensée, d'imaginaire, dans plusieurs lieux de notre humanité. Et ces ressources-là nous sont données, elles existent dans plusieurs lieux, et nous pouvons les convoquer, y compris lorsque nous sommes dans les temps d'urgence. Et je m'arrêterai juste là-dessus, parce que j'ai eu énormément de conversations avec des individus qui estimaient que dans les territoires donc, du continent africain, puisque un certain nombre d'individus étaient pris dans les urgences du quotidien, que la notion de futur n'avait pas sa pertinence, alors qu'elle a sa pertinence. Elle est inscrite fondamentalement dans la production d'être que nous sommes. L'être désire durer et persister dans son être. Et s'il n'y avait pas ce désir de durée et de persistance, ben, nous serions difficilement encore là. Il y a eu très rapidement une interview que j'ai lue, c'était de Fred Morton, un intellectuel, philosophe, poète américain, noir américain. Et à un moment, il parle juste de l'impossibilité pour beaucoup de gens d'imaginer de la joie dans la vie des peuples opprimés. Et ça, ça m'avait assez frappé. Comment on arrive à développer de la joie quand on est dans un système qui t'écrase? Est-ce que c'est possible? Et pourtant, oui, voilà, comme tu dis, s'il n'y avait pas cette possibilité-là d'imaginer ça, peut-être qu'on ne serait pas là. Ouais. Mais justement, il y a un passage de ton livre qui m'a frappée, c'est parce qu'Afrotopia, c'est aussi la question de l'utopie de l'Afrique comme étant un modèle pour demain, hein, étant un modèle pour l'Europe, pour le monde, avec ses qualités de résilience, avec ses qualités propres qui sont notamment la solidarité. À un moment, tu dis, mais nous, on a en main, en fait, aussi l'expérience de la collectivité, du groupe, du rapport à l'environnement, des savoirs ancestraux, d'une tradition qui a continué à être active.
Enfin, tu énumères beaucoup de ces qualités en disant, mais en fait, avec cette puissance-là, l'Afrique peut vraiment dessiner son futur et être une figure de proue pour l'Europe de demain. Et peut-être que j'aimerais bien t'entendre encore juste partager avec la salle ces qualités-là qui font qu'en effet, grâce à ça, grâce à ces ressources, en fait, l'Afrique est debout, quoi. En fait, la réalité, c'est que nous sommes dans un continent qui est le plus vieux du monde. En fait, le vieux continent, ce n'est pas l'Europe, parce que il y a cette expression par rapport aux Amériques, mais fondamentalement, ce n'est pas l'Europe, tu vois, soyons sérieux. Le vieux continent, c'est l'Afrique. Et c'est le vieux continent et le jeune continent. Mais le lieu où les formations sociales, historiques, humaines, les plus anciennes et celles qui ont le plus duré, c'est le continent africain. La vie, elle y est apparue, elle y a grandi, elle y a continué. Lorsque Homo sapiens est sorti du détroit de Gibraltar et qui s'est disséminé dans le monde, autour de 100 000 ans, les sociétés africaines ont continué à produire de la vie dans la longue durée, jusque-là. Donc le lieu de la plus riche expérience de l'humanité, c'est le continent. Alors comment on peut envisager que ce lieu-là ne détienne pas des ressources sur ce que vivre veut signifie ? Je veux dire, c'est un peu étrange que ça ne semble pas évident et que généralement, on est appelé dans un régime de la preuve. On doit montrer, démontrer la contribution. Certains l'ont fait pendant de longues années. Mais ça tombe sous le sens, en fait, lorsqu'on y réfléchit en termes de perspectives historiques et de perspectives expérientielles. Et ce qu'on oublie, c'est que le premier legs du continent au monde, c'est la vie durable, c'est la pérennité de la vie. Les historiens, les paléo-anthropologues montrent qu'au début, lorsque les communautés humaines commencent à se constituer, durée n'était pas donnée, quoi. Il fallait lutter contre beaucoup de défis. La mouche ZZ, la reproduction, l'alimentation, la sécurité, énormément de problématiques. Je veux dire, et puis il y a des versions de Homo sapiens, qui est dans leur écologie, de Homo, du genre, mais pas de sapiens, qui n'ont pas survécu, donc qui n'ont pas pu durer. Et le premier legs du continent, en tout cas, c'est d'avoir pu incuber la vie de la communauté, et de l'avoir transmise dans sa capacité de durer. Et ça, on l'oublie. Mais le continent ne s'est pas arrêté là. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est le berceau de l'humanité qu'il est resté dans l'enfance de l'humanité. Il n'est pas resté dans l'enfance. Il a continué à se développer, à grandir, à faire face à une pluralité de défis, à y répondre de manière à rendre la vie durable et pérenne sur la longue durée. Et il arrive un moment, ces 5 derniers siècles, où il a des chocs historiques, le fait colonial, les différentes traites, et l'imaginaire bascule, le continent devient subalternisé. Et dans sa production d'imaginaire, il ratifie un régime de l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'on lui dit qu'il doit se développer, qu'il doit entrer dans la modernité. On lui vend des concepts théoriques et des concepts imaginaires auxquels il adhère autour des années 60. Et subitement, l'horizon se referme. Il y a une sorte de mise sous tutelle avec des thuriféraires qui viennent à son chevet pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, comment le faire. Et on oublie qu'en fait, fondamentalement, le continent a les ressources nécessaires pour articuler, des devenirs, les penser, opérer ses synthèses, dessiner des chemins, et que ces propositions sont juste une porte étroite de la pluralité des possibles qui existent. Et c'est là où le travail de réouvrir les imaginaires à travers les récits et d'élargir le regard est absolument important pour qu'on sache que, tiens, oui, cette possibilité-là existe, mais enfin, il en existe d'autres, de réaliser un vivre ensemble qui fasse sens, qui réponde aux besoins des communautés, mais qui les accomplisse à plusieurs niveaux, dans plusieurs étages de l'être, dans plusieurs dimensions, et qui vise à une plénitude de l'être. Et ça commence d'abord par l'espace de l'imagination et du langage. Donc, élargir la langue, élargir les mots, élargir les idées, élargir les concepts, et restituer la pluralité des possibilités d'existence. Et c'est là où le continent a fondamentalement des ressources, dans un monde de déliaison qui a besoin de se relier, qui a besoin de remettre l'humanité au cœur de sa dynamique. Et sur cette question-là, c'est ça que le continent sait faire, en fait. Il sait faire autre chose, mais ça, il sait très bien le faire. Il sait très bien le faire. Et il y a aussi la question de l'échelle de valeur, de comment est-ce qu'on évalue les civilisations humaines.
Si on sort de, du critère RUC, je dirais infantile, de la quantité de richesses accumulées, parce que richesse en vue de quoi? Si on sort de ces critères infantiles et qu'on a des critères beaucoup plus adultes, de la qualité de la relation, du cercle, et que si on change de paradigme fondamentalement et qu'on remette nos aventures globales dans un espace de sens beaucoup plus intéressant pour la marche de l'humanité et du vivant, une civilisation qui pour moi est en progrès, c'est une civilisation qui améliore la qualité des relations, ces différentes composantes. Donc ça, parce qu'il y a des progrès qui sont des progrès que j'appellerais grossiers, plus de routes, plus de béton, plus de fer, d'accord. Mais il y a des progrès qui sont des progrès beaucoup plus subtils, une relationnalité de meilleure qualité entre toutes les composantes. Dans cette composante-là, on peut mettre le vivant, on est dans le vivant, on ne s'arrête pas aux humains. Et sur ces questions-là, les ressources du continent sont fondamentales, sont plurielles. Les instruments qu'elle a développés de relationnalité dans tout le rapport au vivant. Tout à l'heure, lorsque je regardais la performance de Faustin, je me disais, tiens, c'est intéressant parce qu'on va réfléchir sur les cosmologies du lien bientôt à Dakar, sur comment est-ce qu'on va au-delà du lien, de la dichotomie nature-culture, humain-non-humain. Et quand il y a ce poème de Césaire et cette pluricomposition, à force de regarder les arbres, je deviens arbre, à force de regarder le Congo, je deviens Congo. Et en fait, je me disais, c'est fondamentalement de ça que nous avons besoin, de nous relier avec le tout vivant et d'avoir des strates de notre être au monde qui articulent en nous les différentes dimensions de notre identité. Et là-dessus, les ressources sont inépuisables. Alors, si nous voulons refaire lien de manière politique, de manière économico-écologique, dans l'espace socio-culturel. Et dans tous ces espaces-là, le continent a des propositions à faire. Et il me semble que ces propositions-là, elles pourraient être des sources d'inspiration dans un espace qui dépasse le continent. Je veux dire, la question, ce n'est pas juste de répondre à ces problématiques, mais c'est dans le même geste où elle tente d'y répondre, si elle ose l'inventivité, si elle ose la réinvention. C'est aussi de les proposer, c'est de dire, nous sommes les filles aînées de la famille, nous ne nous occupons pas que les problèmes d'une partie de la famille, nous nous occupons de toute la famille humaine, ou de toute la tribu humaine, ou de toute la tribu du vivant. Donc c'est un changement de regard, c'est un changement d'attitude, c'est un changement de positionnalité, et c'est un changement fondamental d'échelle de valeur. Et c'est ce changement d'échelle de valeur dans l'ordre de ce qui a été valorisé ces derniers siècles, qu'il faut oser. L'idée, ce n'est pas de rattraper une machine, une mécanique qui montre ses limites et qui montre qu'elle nous entraîne vers le mur. L'idée, c'est de repenser les directions, les sens fondamentaux et d'ouvrir de nouveaux espaces en réarticulant des ressources sur la longue durée, en les passant au tamis, en voyant ce qui est fécond et ce qui peut nourrir les forges de demain. Et en ayant cette lucidité et cette sagesse-là, le continent a assez duré, son être au monde a assez duré, pour qu'il ait cette expérience, cette lucidité et cette sagesse, si elle accepte de les mettre dans ces nouvelles forges. Toi, quand tu parles de s'occuper des problèmes de la famille, tu as dit d'abord famille humaine, puis après tu t'es repris, tu dis la famille du vivant. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental que l'on se regarde, non pas comme séparé de la nature, mais comme faisant partie de ces écosystèmes, que nous sommes en maillon dans cette chaîne, que si nous nous coupons de ça, nous nous coupons de nous-mêmes finalement. Donc, faire cercle, c'est pas que entre nous, les humains, mais c'est finalement c'est comme un danseur qui est dans l'espace et qui sait que si je suis debout là, comment ma présence à ce point précis résonne avec ce qu'il y a là, et qu'est-ce que je fais de l'espace entre nous. Et qu'à chaque fois que je bouge, c'est toujours cette conscience-là
Où suis-je dans l'espace? Comment je me connecte aux autres? Est-ce que je vois qui d'autre est dans cet espace? Et comment je me connecte? Ou qu'est-ce que je fais de l'espace entre nous, entre ces différents points? Sur le corps, tout à l'heure, lorsque tu disais qu'en fait, la question de la présence est d'abord une question d'une présence à soi, et avant d'être en mesure de se relier, il faut attester de la plénitude de cette présence-là, et comme un préalable. Et j'ai beaucoup entendu l'idée du corps comme site, comme lieu de présence au monde et de savoir. Et tu as dit, pour savoir même qui je suis. Donc il y avait une sorte de, donc, d'interrogation sur soi et le corps comme révélateur. Et lorsque des Africains ont été mis dans des cales de bateaux et ont été réduits en esclavage et amenés dans les Caraïbes, ils avaient perdu leur... Donc lorsqu'on les a amenés là-bas, on les a dispersés, on a changé leur nom, leurs dieux ne leur sont pas venus en aide dans la cale du bateau. Une expérience de dépossession culturelle et de dépossession d'univers symbolique et d'imaginaire. Quand ils se retrouvaient dans les plantations et qu'on les laissait libres le dimanche et qu'ils se mettaient à danser, le corps retrouvait des dispositifs symboliques que la communauté avait inscrits en eux. Donc les savoirs qu'ils avaient perdus ou qu'ils étaient en train de perdre, ils les repossédaient en dansant. Le corps avait inscrit dans sa mémoire les savoirs que la communauté les avait transmis et avait inscrits dans leur corps comme signe et comme sémiotique. Et ils ont retrouvé des rythmes, ils ont retrouvé des chants, des fragments, et ils ont reconstitué des cultures, bien évidemment sur la base de fragments, qui sont hybridés avec d'autres, mais le lieu, le site, le lieu ultime, le dernier réservoir de la trace de ce que la communauté avait inscrit en eux, c'était leur corps quand on les avait dépossédés de tout le reste. Donc, bien évidemment, le corps reste l'ultime archive. Elle reste l'ultime archive quand toutes les autres ont été noyées, frappées, donc d'oblivion et d'oubli, ou disséminées. Tant que le corps vibre et tant qu'il reste vivant, ben, il reste un lieu de savoir et il y a une possibilité de repossession de la trace qui a été inscrite. Et justement, le corps comme archive, pour moi, c'est un territoire extrêmement important. Parce que quand on s'intéresse à l'histoire dans nos pays, tu dis, voilà, on va dire, la République démocratique du Congo comme État-nation a été inventée il y a 136 ans. OK. Qu'est-ce qu'on peut connaître de l'évolution d'un peuple en un temps si court, 136 ans? Sauf que les manières d'archiver qui ont existé avant ont été cassées, interrompues, et on a imposé une forme d'archive, parce que, voilà, comme tu disais à un moment, depuis 500 ans, qu'il y a ces expériences de dépossession, on accepte, on dit « Ok, faites comme ça ». C'est ça la bonne manière d'archiver, il faut écrire, ok, très bien. Le temps d'apprendre cet outil, bah, d'autres écrivent en autre nom. Et après, bah, y a tout le travail que tu fais depuis quelques années maintenant sur la restitution des objets pillés sur le continent qui sont d'autres formes d'archives. Mais quand tout ça... est parti, oui, comme tu dis, est-ce que être danseur, c'est une chance ou bien plutôt c'est une malédiction? Parce que j'ai dit, ouais, puisque le corps peut se souvenir, le corps mis dans certaines conditions, oui, peut se souvenir. Ça ne veut pas forcément dire que si le corps se met à parler, j'ai les moyens de déchiffrer, mais au moins juste. Mettre le corps dans certaines conditions pour qu'il se mette à parler. Peut-être c'est ça, danser, finalement.
Oui, on peut peut-être terminer sur cette grande idée de l'archive, hein, qui est celle de comment est-ce que on a séparé aussi, comme on disait, société sans histoire, société avec histoire, société sans écriture, société orale, société avec écriture, société orale, et comment ce régime d'une dichotomie entre l'oralité et l'écriture est en fait aussi un cul-de-sac, une aporie, parce que en réalité, l'archive, elle se trouve, enfin l'oralité trouve des formes d'archivage qui sont spécifiques, aussi bien dans les sociétés qui utilisent d'ailleurs l'écriture, même où elle est majoritaire, pour des sociétés qui l'utilisent, mais pour d'autres usages. Donc ça, tu le montres aussi dans l'ouvrage, et plusieurs anthropologues ont commencé à ouvrir ce concept qui était terrifiant, parce qu'il est aussi un concept qui exclut et qui dévalorise les productions orales par rapport à des productions écrites, qui sont évidemment attachées à une forme de pouvoir, de possession, de quadrillage, de contrat, d'actes notariés, etc. On sait que la colonisation s'est évidemment appuyée sur l'écriture pour pouvoir posséder des terres et des ressources. Et puis, comment est-ce que l'oralité, justement, s'inscrit, comme tu le montres aussi, dans des signes, donc dans des productions, que ce soit des œuvres d'art ou des objets du quotidien, ou le corps, évidemment, comme tu dis, Faustin, ou le proverbe, la chanson, la musique. Déjà, l'une des premières choses, c'est que l'écriture a été définie, l'oralité a été définie comme le négatif de l'écriture. Et lorsqu'on disait les sociétés orales, on disait implicitement elles n'ont pas d'écriture. Déjà, ce qui n'est pas exact historiquement. Historiquement, c'est des sociétés qui ont choisi l'oralité comme le principal véhicule de la matrice culturelle, mais qui connaissaient plusieurs formes d'écriture. Sauf que ces écritures-là n'ont pas dominé comme le lieu de transmission des savoirs et de la matrice culturelle. Et elles ont joué avec les qualités des deux. L'oralité a une plus grande puissance de dissémination. Le coût d'accès à l'archive orale est beaucoup plus simple que le coût d'accès à l'archive écrite. Et pour disséminer au plus grand nombre, les sociétés sont devenues verbomotrices. Donc elles ont transmis à travers le verbe. Et en faisant ça, elles ont fait de l'oralité une orature, une écriture, c'est-à-dire une manière d'inscrire des signes, de produire, d'encoder des savoirs, de les préserver et de les transmettre dans le temps. Et ces sociétés-là ont réfléchi à comment utiliser le véhicule oral avec ses limites, c'est-à-dire la durée de vie d'un individu qui est dépositaire, et comment transcender cette fragilité-là. Et un philosophe sénégalais qui s'appelle Mamou Moussé Diagne, dans un travail monumental, montre qu'il y a une raison orale, que l'oralité ce n'est pas juste du verbiage, et que les productions orales relèvent d'une épistémologie qui a pensé la manière dont l'oralité va transmettre son archive dans le temps. Il y a des procédés, la dramatisation, c'est un procédé pour frapper les esprits, rendre le mémorable, comment on produit du mémorable, comment on fait en sorte qu'une société à travers un récit n'oublie pas des faits que l'on veut donner ou des comportements que l'on veut donner en archétype aux générations à venir. Il y a énormément de procédés en cours qui ont permis à l'archive de se transmettre. Et d'ailleurs, ces sociétés, si elles n'avaient pas pu transmettre leur matrice culturelle dans le temps, elles n'auraient pas survécu. C'est parce qu'elles ont réussi à la transmettre d'une part, mais elles ont aussi réussi à l'enrichir, et elles ont réussi à faire le tri entre ce qui était obsolète et ce qui devait être transmis. C'est-à-dire que les sociétés, elles ne transmettent pas tout, elles transmettent ce qu'elles estiment fondamental pour la vie d'aujourd'hui et la vie de demain. Et même dans ce jeu de transmission de l'archive, il y a eu un travail d'oubli nécessaire pour laisser un espace à la créativité, à ce qui va arriver. Donc il y a une telle richesse et une telle complexité de l'archive orale que là aussi, il y a un travail de faire tomber les imaginaires dépréciatifs et négatifs et voir fondamentalement ce qu'elle est et voir fondamentalement quelles sont ses ressources et donc l'articuler avec les autres archives. Et on est juste au début. Avant, on a estimé que des peuples étaient sans histoire parce qu'on estimait que c'était sans écriture. Et on estimait que s'il n'y avait pas de signes écrits, donc, il n'y avait pas d'histoire. Donc, du coup, toutes les autres archives, les récits oraux, les archives qui sont dans le corps, les archives qui sont dans la paléoanthropologie, les archives qui sont dans la géographie, les archives qui sont dans la génétique, qui disent l'histoire des sociétés, etc., etc.,
ont été minorés par rapport à une archive écrite qui a ses qualités, mais qui a aussi ses limites et ses défauts, et qui n'est pas la seule archive. Mais là, il y a eu une histoire de rapport de force, parce qu'il y a les archives des dominants, de ceux qui dominent. Leur trace est matérielle, elle s'inscrit dans les registres, dans les actes administratifs, etc., etc. Et puis il y a la pluralité des archives qui existent et la pluralité des traces que les sociétés produisent pour se transmettre dans le temps, pour faire signe dans le temps, pour durer, pour s'auto-réinvestir. Et ça aussi, c'est un travail donc, d'ouverture, je dirais, épistémologique, qui est absolument fondamental pour que les gens n'aient pas honte, en fait, de la manière dont ils ont inscrit dans la durée leur être au monde et qu'ils se réapproprient et qu'ils élargissent le champ des récits en accordant la valeur adéquate à cette forme d'archivage-là, et bien, que d'ailleurs on retrouve dans nos sociétés fondées sur l'écrit. Absolument, l'oralité revient à grand renfort. Quoi. Ouais. Surtout qu'elle est toujours concomitante, en fait. Elle continue, sauf qu'on la part, on ne la valorisons pas, en ne l'écoutant pas, en ne la regardant pas, on a effacé une grande partie de notre histoire aussi. Et c'est pour ça que justement, cette question de la valorisation d'autres types d'archivage et d'autres types d'histoire, elle concerne toutes les sociétés, évidemment. La langue vous est transmise oralement. Aucun enfant n'a appris la langue de sa maman ou de sa famille par l'écriture, d'abord. On vous parle, vous entendez, audition, réception, reproduction, et vous apprenez la langue en l'écoutant. Mm-hmm. C'est après qu'à l'école, on vous donne les règles de grammaire, mais la langue parlée, elle est transmise oralement dans toutes les sociétés. Et ce qui est beau quand on commence à aborder l'archive de cette manière, c'est qu'elle reste très vivante. Ce n'est pas, c'est pas un fossile qui est là, et donc ça respire et c'est une archive qui inscrit en son sein même l'idée de la mort nécessaire pour que, tu vois, c'est comme un film où une image doit s'effacer pour que l'autre apparaisse, sinon il y a, mais pourtant il y a continuité, mais, ouais, c'est ce dynamisme là qui, si on peut retrouver ça et dire que ce n'est pas donné une fois pour toutes. Au contraire, il faut travailler, réactiver ça tout le temps, pour que nous continuions à avancer. On va peut-être ouvrir la discussion au public aussi, si vous avez des questions ou des remarques ou des prolongements de ce qui a été, de ce qu'on a échangé ce soir. Donc, je crois que quelqu'un a un micro. Ouais. Si vous voulez faire signe. C'est la première question la plus difficile. Après, ça ira. Voilà. Bonsoir. Bon, tout d'abord, merci. Et puis, je voulais rebondir parce qu'il y a pas mal des conversations que vous avez eues qui m'ont fait penser à plusieurs choses. La première, c'est que je travaille dans un contexte où je travaille beaucoup sur la lutte contre le racisme. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que plus je travaille là-dedans, plus je commence à mieux connaître et comprendre ce que je décrirais comme la diaspora noire ou les cultures afrodescendantes. Et ce qui me surprend, c'est à quel point certains éléments culturels ont survécu au sein même des communautés afrodescendantes, même celles qui ont grandi ici, et notamment justement des fois le rapport au temps, qui est vu un peu comme plus quelque chose de critique ici et tout, mais en réalité, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous apporte une certaine forme de flexibilité et un sens du coup de l'adaptabilité à diverses réalités. Et un exemple typique que j'ai tout le temps, c'est que quand je vais aller me faire des tresses, on me fait toujours le commentaire « Ah, mais c'est long !» Et en fait, oui, c'est long, mais justement, c'est ça qui est bien. Et je trouve que peu de personnes arrivent à comprendre ça. C'est le fait de pouvoir être dans un moment, de pouvoir aussi partager dans un moment, dans un moment qui est symbolique aussi culturellement, de répéter des gestes qui ont été répétés pendant des années, etc. Et ce que je trouve en contraste est intéressant, c'est que typiquement en Occident, on a tout le temps cette culture de vouloir faire les choses justement le plus vite possible.
Et le fait d'inscrire, vous avez parlé de technologie, mais ça, pour moi, ça relie aussi à l'écriture. Le fait d'inscrire des choses, de mettre des réglementations, d'avoir des choses qui nous structurent, etc., ça crée cette facilité et cette rapidité, mais ça fait qu'aussi, il y a vraiment une incapacité à pouvoir être flexible, à pouvoir s'adapter à certaines réalités. Et quand on parle de questions d'écologie, je pense que l'un des plus gros problèmes qu'on a, c'est qu'on est dans une réalité systémique qui est tellement ancrée et tellement forte. Et en fait, on veut faire tout à part peut-être s'arrêter et rien faire et prendre du temps et comprendre le présent et s'adapter. Et parfois, je trouve très intéressant le fait que culturellement, même les diasporas ont intégré quand même cette réalité, ont un sens de ça, même si c'est peut-être pas parlé ou formulé, mais ont un sens de cette réalité-là. Et donc voilà, ça m'a fait penser à cette réflexion-là. Et voilà, merci. Tu veux rebondir, quoi ? Oui, je veux bien rebondir, parce qu'en fait, l'un de nos défis, et vous avez absolument raison, c'est d'être en mesure de ralentir et de décélérer. Et puisque nous sommes tous soumis à un temps social qui est un temps de la productivité et qui veut être la seule temporalité, parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs temporalités. Il y a ce temps-là, mais tous nos actes de vie ne peuvent pas s'inscrire dans la célérité du temps de la productivité dont le rythme et la cadence est imprimé par la machine néolibérale qui veut toujours plus, plus vite, etc., etc. Donc des formes de résistance, c'est réapprendre la lenteur. C'est réapprendre la lenteur et réinscrire la lenteur dans des temporalités qui nécessitent la lenteur. Un certain type d'expérience nécessite la lenteur. Certains apprentissages nécessitent la lenteur. Le temps de réfléchir, de méditer, nécessite de la lenteur. Et donc, du coup, quand on se moque de nous, là, qui arrivons en retard, bien évidemment, je veux dire, si on a un rendez-vous à une heure, c'est respecter le temps de l'autre que d'arriver à leur indiquer. Mais je pense qu'il y a toute une autre sémiologie du rapport au temps qu'il faut réussir à transmettre. Un usage du temps qui n'est pas le temps de la course et qui est absolument important. Et puis il y a une dimension dans cette idée. Il y a l'idée de monde disponible. On a un monde qui nous offre une pluralité d'expériences et de possibilités. Mais l'erreur, c'est de transmettre l'idée que nous serons en mesure de faire toutes ces expériences-là. C'est impossible. Je veux dire, nul n'a le temps de vie, l'énergie et la santé. C'est-à-dire que l'idée de l'infini, l'idée de la possibilité de l'infini des expériences, alors que nous sommes des êtres finis. Et la question, c'est comment est-ce qu'on articule notre finitude avec l'infini des possibilités que l'on nous offre, qui nous font courir un peu partout. Donc là-bas aussi, il y a un travail à faire pour articuler notre finitude avec l'impossibilité de faire les expériences infinies. Donc réapprendre la lenteur et accepter d'en faire certaines intensément et pas d'autres. Je veux dire, il y a l'idée de renoncer à une pluralité qui est illusoire et comment est-ce qu'on s'inscrit dans une expérience qui nous met dans une durée et pas dans une fuite dans le temps chronologique qui est une fuite sur la surface, puisque tout ce qui nous entoure, la culture du clic, la culture du zapping, la culture de la pluralité de notre présence, les nouvelles formes d'ubiquité qui sont les nôtres avec notre rapport au virtuel font qu'il nous manque justement des expériences qui nous fondent et qui nous ancrent dans une temporalité de la plénitude où quand on va au bout d'une expérience, elle nous accomplit et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une pluralité d'expériences, on a besoin d'être accompli par des expériences qui nous ancrent profondément et qui justement quoi, répondent à des besoins psychiques profonds. Donc cultiver la lenteur, c'est une forme de résistance, mais c'est aussi une forme de sagesse. Les chamans, ils commencent à apprendre à faire les choses lentement. C'est l'un des premiers exercices spirituels, faire les choses lentement. Donc être présent à chaque chose que l'on fait, et en faisant les choses lentement, en les faisant profondément, en les accomplissant, on s'accomplit fondamentalement. Oui, je me demande aussi si justement cette question de la lenteur peut nous permettre d'envisager un temps long aussi, parce qu'on est dans des cultures qui n'ont
pas la possibilité d'envisager un temps long, c'est-à-dire le temps d'après, des générations à venir. Et c'est pour ça aussi que la catastrophe est telle, c'est qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, on sera mort. Enfin, on a l'impression que tout le monde se dit, bon, bah, de toute façon, quand la catastrophe arrivera, finalement, je serai mort. Donc, c'est d'être coupé de cette expérience qu'il y a encore. Hein, et peut-être la lenteur, elle nous aide justement à prendre en considération le fait que quand on fait quelque chose lentement, il prend une ampleur et une dimension telle qu'on peut imaginer être quelque part dans le temps, dans un océan, quoi. Et que cet océan, on a la perception qu'il est encore après, il nous déborde, quoi. Alors qu'on, dans notre maîtrise du temps, justement, dans le fait qu'on peut le calculer, qu'on est toujours dans la projection rapprochée de quelque chose, on a cette illusion de la maîtrise qui nous suffit, mais qui nous empêche de nous projeter, de projeter l'homme plus loin, de projeter ses avenirs et ses imaginaires dans un temps qui est plus grand que nous, quoi, plus lointain. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Merci, Leïla Chakroun. Je me demandais en fait ce que vous entendez par l'apport du temps cyclique. Enfin, moi, j'aime bien cette idée du temps qui revient toujours des cycles de la nature, mais je me demande qu'est-ce que ça apporte à la réflexion sur la crise environnementale. Ça, c'est une vraie question parce que si on regarde à différentes échelles de la nature, en fait, il y a des trucs très linéaires. Bah, typiquement le corps qui meurt, et c'est parce que le corps il meurt, enfin, c'est parce qu'il y a une linéarité à un certain niveau qu'en fait il y a une continuité à un autre niveau. Et puis il y a beaucoup de discours sur la nature qui revient ou la planète qui finalement va réussir à se régénérer, et on tombe vite dans une sorte de déresponsabilisation parce qu'en fait la nature nous survivra, qu'en fait la crise qui arrive est une crise parmi d'autres. Enfin, comment vous arrivez à vous emparer du temps long sans tomber dans ce déni de l'inédit en fait, qui nous arrive, du fait qu'on a créé quand même du linéaire en le pensant un peu trop fort. Merci. Il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane Durand. Je pense que c'est il travaille, son domaine c'est l'environnement et la géographie. Il dirige une collection dans Actes Sud. Il publie des textes sur l'écologie, et il y a 2 ans il a écrit un ouvrage hyper intéressant dans lequel il montrait qu'en fait en préservant des espaces, en préservant des rivières, en enlevant les barrages, en ayant une action écologique, elles pouvaient retrouver un certain nombre de qualités écologiques qu'elles avaient perdues. Et ce qui était intéressant dans cet ouvrage-là, ce n'était pas un ouvrage pour déresponsabiliser, pour dire nul n'est responsable, mais il montrait quelles sont les actions qui permettent justement de laisser aux cycles écologiques le temps de se régénérer et de se réinscrire dans leur naturalité. Et je ne vois pas de différence. En fait, le temps long ne dit pas en fait que l'action de l'individu sur le biotope n'a pas d'impact. Toi, ce n'est pas une réflexion anti-anthropocène. Je veux dire, mais la question du temps court, de la temporalité qu'on installe dans l'instantané, où il faut consommer tout de suite, où il faut construire, où toutes les actions qui nous intéressent, qui font que l'on projette dans le temps social, on ne les projette pas dans une temporalité beaucoup plus longue. Donc ça veut dire qu'on ne les fragmente pas, donc ça veut dire qu'on ne les inscrit pas dans les cycles qui sont les nôtres, les cycles du vivant. Si je prends l'économie, le problème de l'économie, c'est de ne pas s'installer dans un cycle écologique, de prélever des ressources dans le biotope, de les métaboliser et de ne pas laisser le temps au biotope de se régénérer, de lui imposer un rythme de production qui étouffe sa capacité de régénération. Donc de lui imposer un temps court là où le biotope a besoin d'un temps beaucoup plus long. Depuis les années 70, en juillet, on a épuisé toutes les ressources que la planète peut produire pour une année, le jour du dépassement de la Terre. Et on vit à crédit. On surexploite les ressources du biotope qui, si on a un temps de production qui est un temps qui est calqué
sur les cycles des ressources dont nous avons besoin, on marcherait à son rythme et on lui laisserait le temps justement de souffler, de se régénérer et de nous proposer des ressources à notre moralité de production. Et là, c'est parce que justement, on lui impose un temps court, dans une temporalité longue, que nous sommes dans cette difficulté-là. Donc c'est là la question. Ce n'est pas l'idée de dire le temps est long, on laisse les choses, elles vont se faire. Non, c'est l'idée de dire que l'empreinte, la marque, le rapport que nous avons au biotope et au cycle du biotope, c'est un rapport oppressif, puisque nous lui imposons des cycles qui sont désarticulés avec la manière dont elle a à nous offrir le gîte et à nous offrir les conditions de vie. Et il y a aussi l'idée de non seulement de nous désynchroniser, mais de tenter de dénaturaliser les conditions de vie. Je veux dire, depuis des siècles, on essaie de nous extraire de la naturalité des conditions. Je veux dire, toute la question de la négantropie, et comment est-ce qu'on lutte contre l'entropie, on a estimé qu'en produisant de l'artificiel, en artificialisant les conditions de vie, on pouvait ralentir l'entropie, mais tout en ne respectant pas les cycles de négantropie qui sont dans la nature. Et là, il y a vraiment un problème de synchronicité et de retrouver une capacité d'être avec, dans une temporalité qui permet à tout le monde de vivre normalement et de ne pas étouffer les possibilités de vie. Et c'est aussi une question de rapport au temps. Et puis, ce n'est pas parce que le corps meurt que voilà, c'est linéaire et ça s'arrête, quoi. Je passe beaucoup de temps en forêt. J'ai la chance de vivre encore sur une partie du continent où il y a encore de la forêt, qui est certes fragile, qui est certes en train de disparaître, mais il y a encore la forêt. Et l'une des choses que l'on voit dans la forêt, c'est qu'un arbre qui tombe parce qu'il y a eu du vent, oui, cet arbre-là meurt. Mais il ouvre aussi une clairière qui permet à plein d'autres arbres d'avoir de la lumière et de pousser. Et en étant là, si on le laisse pourrir, le carbone, l'azote qu'il a accumulé pendant quelques décennies repart dans le cycle. Et donc c'est peut-être apprendre, dire que c'est pas parce que moi je m'arrête que la vie s'arrête, que ça me dépasse. Et c'est là que j'ai envie de revenir à ce mot que j'ai lancé au début, des lobbies. C'est-à-dire, hier c'est demain c'est hier. Et lobby sera toujours lobby, quoi. Et à partir du moment où on commence à s'inscrire comme ça dans le temps, on se rend compte que moi, je vais jouer ma part aujourd'hui. La notion de responsabilité vient là. Je dois jouer ma part dans la partition. Et en faisant confiance au fait que si tout le monde joue sa part, le temps long, il est assuré. Mais est-ce qu'on est prêt à prendre cette responsabilité? Ça, c'est la grande question. Et j'aimerais juste ajouter à ce que Faustin vient de dire, que aussi ici, la question de l'imaginaire est importante, parce que le vivant, nous le considérons fondamentalement à travers notre identité individuelle et corporelle, à travers notre vie à nous. Mais nous sommes le résultat de la génétique de nos parents, qui sont le résultat de la génétique des leurs, et ils ont persisté en nous. Et une fois qu'ils sont morts, la vie a continué, elle a persisté, elle s'est métamorphosée en nous. Le vivant que nous ingurgitons pour demeurer vie continue sa trace de vie en nous. Et nous-mêmes, nous allons être un élément de la vie qui se poursuit ailleurs. La difficulté, c'est de découpler son identité de vivant de sa vie individuelle et de savoir que justement, en nous persiste une pluralité de dynamiques du vivant qui se sont métamorphosées dans le temps et nous faisons partie du cycle de la métamorphose du vivant et que la temporalité de notre existence est un moment d'une expérience donnée, mais notre existence va continuer à persister dans le vivant sous une pluralité de formes. Mais le problème de notre identité et de l'identification de notre ego
à notre vie individuelle, psychique, culturelle, symbolique, fait que souvent nous oublions que la vie que nous portons en nous, elle vient de plus loin et elle persiste, elle se métamorphose et la nôtre va persister et va se métamorphoser dans la suite du cycle du vivant auquel nous appartenons. Merci beaucoup à tous, à toutes et tous. Et puis, ce que je vous propose, c'est si vous allez à la Baraka, on peut continuer la discussion de façon plus informelle. Et sinon, on vous remercie. En buvant des bières. Ouais. On vous remercie d'avoir été là. Il n'y a pas de bonne bière en Suisse. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Les meilleurs sont au Congo, bien sûr. Merci beaucoup. Merci.